Bonjour, bien dormi? J'ai les carreaux à faire aujourd'hui. T'as un petit moment pour m'aider? Je pense pas. Enfin, j'ai envie. Oh bah, tu crois que j'ai envie, moi? Ça va manger plein? Ah, j'ai pas le temps. Hein. J'ai que ça à faire. Hein. Avec tout ce qu'il y a d'autre à faire. Excuse-moi, mais. Ça va, chérie? Ça va, un peu de jus d'orange? Ah, non, non, s'il te plaît. Tiens, allez. On pose des questions? Oui. Oh, ça suffit, non, ça va pas voir. Commencer, hein. T'en veux, maman? Oui, chérie, ouais. Merci. Fais-moi, fais-moi. Sonne, il faut se lever. C'est l'heure de lui faire ses tartines beurrées. Comme tous les matins quand ce réveil sonne, je prépare son petit-déj, je commence ma journée. Malheureusement, culturellement, on nous a tellement, par l'éducation, par l'histoire, hein, et par le fait que les femmes ont souvent été reléguées à la maison, eh bien, c'est passé dans notre inconscient, sans doute, bien que... On est quand même culpabilisé lorsque, pour une raison ou pour une autre, on est amené à prendre un peu de distance, pas à se détacher, bien sûr, mais du moins dans le temps, hein, à consacrer du temps à autre chose qu'à la maison, les enfants, enfin ceux qui, de toute éternité, mais que je ne crois pas de toute éternité, semblent dévolus aux femmes. Quand ma mère me demande de l'aider, je l'aide avec plaisir. Hein, après... C'est pareil, quand je vais chez ma copine qui fait la vaisselle, ben moi je vais l'aider, ça va me faire plaisir de lui montrer que justement ces clichés-là sont pas forcément que... De toute façon après ouais, comme je dis, ça part plus d'un problème à la base, de l'amour et du respect quoi. Si tu aimes vraiment ta copine, tu la respectes, tu vas aller l'aider, tu vas pas la laisser faire la vaisselle trois quarts d'heure, toute la vaisselle ouais, de toute la famille qu'il y a. Ouais. Après c'est des coutumes, après c'est des... bon voilà, c'est clair. Hein. Il y en a même s'ils aiment leur copine, c'est des machos quoi. Ils ouais, ouais, voilà. Pas toucher bah, à la ouais, vaisselle, voilà, c'est macho, comme ça. Macho, ouais, c'est ils ont clair. Grandi comme ça. Et... Ouais, ouais, voilà, ils ont grandi là-dedans comme ça. Je pense aussi que c'est toujours, alors je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est guerrier, que je n'aime pas du tout les termes guerriers, que c'est aussi un combat. Et que c'est aussi, je ne sais pas, à l'intérieur du couple, aux femmes à dire quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et... L'enfant, il. Comment on lui dit qu'il grandit ouais. Par rapport à ça ouais. Et... Parce que les parents, ils transmettent une image donc. Même sans le faire exprès, les enfants, ils observent et ils refont un petit peu par la même chose plus tard. Je n'ai pas eu de fille, alors je ne peux pas dire comment j'aurais élevé une fille. Peut-être je serais tombée dans certains travers. Ce que je sais, c'est qu'ayant eu des garçons, et je pense que mon mari a contribué aussi, nous avons voulu leur montrer une image de la femme, une image concrète, je veux dire, dans la vie quotidienne, par leur mère, en quelque sorte, qui ne soit pas l'image traditionnelle de la femme à qui reviennent uniquement les tâches ménagères et qui, en dehors de cela, n'a pas son mot à dire. Par exemple, bon, c'est vrai que je ne leur demandais pas, quand ils étaient petits, trop de choses, mais je voulais qu'il y en ait un, je faisais un roulement. Il y en avait un qui mettait la table, l'autre qui la débarrassait et j'inversais. Je voulais qu'ils rangent chacun leur chambre. Ça ne veut pas dire que tout est simple, hein, oui. Que ça aplanit tout. Et que, bon, parce que dans la tête des uns et des autres, il y a toujours des pesanteurs qui sont lourdes à effacer. Voilà, voilà. Et des conforts difficiles à bousculer. Parce que c'est bien commode que quelqu'un d'autre vous règle tous les problèmes matériels autour de vous, hein, n'est-ce pas? Et vous libère pour d'autres activités plus gratifiantes. Hein, voilà. Moi, je vois mes fils, la manière dont ils s'occupent de leurs enfants, par exemple, ça me paraît un mouvement beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel. C'est peut-être qu'ils ont vu aussi chez eux que l'homme était capable de s'occuper des bébés, ce que moi, je n'ai pas vu. Chez moi, les enfants, c'était ma mère qui s'en occupait exclusivement. Hein. C'est bien toi. C'est bien là. Qu'est-ce que ça va nous dessus ?
Tristan, où tu vas? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu la veux. Les garçons, c'est là-bas. Allez, viens. Regarde, choisis. Enfin, mais un garçon, ça pleure pas. Allez. Une fille, moi, je les ai élevés quasiment ensemble, presque comme des jumeaux, mais ils ne se comportent pas pareil. Enfin, pour ma part, mais je pense quand même. Oui, ça n'a pas le même comportement. C'est très riche des deux côtés, mais c'est très différent. Donc, si par exemple ton fils t'aurait demandé petit d'acheter une poupée, tu l'aurais fait? Je me serais posé des questions. Je crois que j'aurais discuté avec lui pour savoir d'où venait ce besoin. C'est vrai que quelque part, je pense que ça m'aurait un peu dérangé. Bonjour. Bonjour madame. J'ai rendez-vous avec madame Dominique Durand, s'il vous plaît. Non, c'est monsieur Dominique Durand et c'est moi-même, voilà. C'est vous? Oui, c'est moi l'assistant maternel. Je m'occupe des enfants, ça fait maintenant plusieurs années. Donc voilà, c'est bien monsieur et non pas madame. Vous êtes sûr? Ah non, je suis... c'est moi, je vous assure, je suis assistant maternel. Mais vous êtes un homme. L'homme est plus apte à faire des trucs plus musclés, c'est vrai, tu vois, que grimper au troisième étage, peindre des bricoler, tout ça, c'est vrai que c'est physique. Après, tu vois, les hommes, ils sont plus, je pense, pour faire ces choses-là physiques. Après, ça veut pas dire que les femmes peuvent pas le faire et que les hommes peuvent pas faire des choses pas physiques aussi, tu vois. Mm. Mais après, dans la physionomie du corps, je pense, ça y joue un peu, quoi, tu vois, que les hommes, les muscles se font plus vite. Et les femmes, plus mentales. Ouais, voilà. Enfin, une femme peut très bien faire aussi un métier plus physique. Oui, tout à fait. Il y a des femmes qui sont plus fortes que les autres. Comme il y a des hommes très très intelligents. J'ai trouvé un petit boulot là, tranquille. Sur moi, je vais le faire comme ça me plaît bien et tout. Ah ouais, c'est quoi? Bon, c'est un peu délicat. Tu sais, moi j'aime bien. Enfin, en gros, j'ai signé un contrat pour faire esthéticien. Esthéticien? Ouais. Mais c'est pour les meufs ça? Pourquoi? T'es sérieux? Pourquoi? Mais c'est pour les meufs. Bah non, esthéticien, personnellement, je trouve pas que c'est pour les meufs, ça. Je veux dire, moi, y a aucun métier qui est pour les meufs, aucun métier qui est pour les hommes. Tant qu'on aime, tant que ça nous passionne, je vois pas où est le problème, quoi. Je veux dire, bon. On exagère toujours un petit peu, mais après, sinon, ouais, y avait pas mal de réalité dans le rôle, quand même, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de métiers, c'est des clichés, en fait. Beaucoup de métiers qui sont pour les femmes, beaucoup de métiers qui sont pour les hommes. Donc c'est sûr qu'il y a quand même un problème dans cette société entre les hommes et les femmes, une inégalité, que ce soit pour les salaires, pour des clichés pour les métiers, des trucs comme ça, mais après bon. Ouais, moi je pense que ça a évolué quand même un petit peu. Maintenant on prend l'habitude que les hommes s'occupent des enfants, il y a des congés paternité, etc. Donc c'est ancré un petit peu dans les mentalités, même si ça met du temps, quoi. J'hallucine. Il faut pas halluciner, Bobo. C'est la vérité. J'ai signé le contrat. Je vais faire esthéticien. Chauffeur routier. Les camions. Chauffeur routier. Surtout pour les hommes. Mais quand on voit une femme, à bord d'un camion, et ben moi, pour moi, il y en a qui sont, ouais, il y en a qui ont des préjugés. Il y en a qui sont. Enfin, moi, personnellement, je suis un petit peu choquée, quoi, quand je vois une femme. Non, mais je trouve que c'est bien, quoi, parce qu'elle s'intéresse à ça, mais voilà, pour elle, la vie de famille, après, je trouve pas qu'elle... Enfin, je pense pas qu'elle a vraiment une vie de famille, après, avec qui conduit un camion tout le temps. Ben, le mec aussi, c'est si c'est un homme ouais, qui le mais fait. Bon, c'est la femme qui s'occupe plutôt des enfants, donc... Voilà, tu penses quand même des clichés. Voilà. Ouais, ben oui, ça je le dis, je pense, c'est sûr. J'ai été la première adjointe au maire de la ville d'Albi. Avant moi, il n'y avait eu aucune femme qui avait occupé cette fonction à Albi. Et je rappelle, parce que c'est une anecdote, mais c'est assez amusant, lorsque nous avions des réunions avec le maire et les autres adjoints, des réunions tout à fait officielles, avec le préfet, enfin des personnalités de ce type, très souvent, lorsque la personnalité s'adressait à nous, elle disait « Messieurs les conseillers municipaux ». Et chaque fois, avec un brin d'ironie, je me rappelais à leurs bons souvenirs en disant « Non,
Il y a une dame dans la salle, c'est voilà. C'est un milieu assez masculin, oui. Il y a des femmes aussi qui peuvent réussir absolument. Dans ce milieu. Absolument. Moi, je me souviens que pour ma part, j'avais été pénalisée un peu à cause de mes congés de maternité. Je crois que ça n'a pas complètement changé. Et quand je vois dans mon secteur, justement, j'ai le cas d'une responsable qui était à temps partiel. Elle avait le mercredi pour ses 3 enfants. Donc c'était une cadre mutable. Et quand il y a eu une possibilité d'obtenir un poste supérieur dans mon lieu de travail, on lui a mis le choix. Il fallait qu'elle revienne à plein temps. Mmh. Sinon, elle ne l'aurait pas eu. Oui, il faudrait quelques aménagements. Et je pense que, surtout au niveau des carrières, une carrière d'une maman qui veut vraiment s'occuper de ses enfants ne peut pas évoluer de la même façon. On est obligé de faire encore maintenant, à mon avis, des sacrifices ou des choix, je veux dire, entre le mari et la femme. Pour le même travail, elle doit avoir le même salaire parce que ça, à la fin, ça revient au même compte pour l'entreprise, ça revient pareil. Donc elle doit donner le même salaire. Quoi. C'est à notre génération, à nous, plus tard, justement, voilà, peut-être. Puis ça, c'est aussi la mentalité des gros patrons, hein, faut pas croire non plus. Ça changera, hein. Mais très très lentement, je pense. Comme tout, comme le racisme, plein de questions. Mais il y aura toujours. Ouais, ça existera toujours, je pense, mais petit parce à petit. Parce que hommes et femmes, on n'est pas pareil, donc je pense qu'il y aura toujours un petit écart entre les deux. Narcos. Écoute, je viens aborder un thème complexe. Parler de ces femmes qu'on vexe, ouais. Nous les hommes avec elles on se complète. Y'a pas lieu à ce qu'il y ait complète. Pourtant j'entends les mêmes discours, et ça en 2007, ouais. Des femmes qui crient au secours et des hommes qui tiennent tête. Y'a toujours pas de respect, j'entends parler d'égalité. Des cums sous la DC frappent leurs meufs qui se retrouvent alités. Partout dans le monde, des femmes sont exploitées. N'ont pas la parole, ne sont bonnes qu'à enfanter. Certains les traitent comme des objets. Dans certains pays, elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Moi je te donne mon avis, elles nous donnent la vie. Donc un conseil d'amis, prends soin d'elles comme d'un rubis. Moi je te donne mon avis, elles nous donnent la vie. Donc un conseil d'amis, prends soin d'elles comme d'un rubis. On n'est plus au Moyen-Âge pour les retenir comme des otages. À la cuisine ou au ménage, à la vaisselle, au repassage.